Bonsoir. 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 C'est incroyable ce cocktail. Regarde là-bas la femme du ministre, elle est tellement tirée, elle pourrait dormir les yeux ouverts. La dernière fois qu'elle a éternué, il y a une fesse qui a éclaté. Hey, de dos le lycée, de face le musée. Non mais toutes ces femmes avec des bouches de babouin, là c'est plus un cocktail, hein, c'est 30 millions d'amis. Mais regardez là-bas, c'est pas Rachida Dati? Vous savez qu'elle a sa statue au musée Grévin? Ah oui. Mais c'est incroyable, une cireuse de pompe qui finit en bougie. Enfin, Rachida, même si tu lui rajoutes une mèche, c'est toujours pas une lumière. Non mais moi je l'aime bien, Rachida, parce qu'on sent vraiment que c'est la femme qui a réussi à la force du poignet. Oui, bah il vaut mieux ça que les dents, hein, sinon il y aurait eu des blessés. Non mais c'est injuste, en politique, dès qu'une femme est jolie, on soupçonne la promotion canapé. Au moins Martine Aubry, on peut pas l'accuser de ça, hein. Elle, c'est pas la promotion canapé, c'est un canapé en promotion. Regardez là-bas, c'est pas Jacques Séguéla? Bonsoir Jacques. Il est pas bronzé, il est orange. On dirait Casimir en col roulé. Là-bas, c'est pas Roselyne Bachelot? Ils ont été gentils de la garder, elle a pas eu de chance. Ah bah non, elle s'est occupée des vaccins, il n'y a pas eu de grippe. Après, elle s'occupait du foot, il n'y a pas eu de but. Non, enfin moi je regrette ce qui arrive à Desca quand même. Oui. Hein. Oh, il oui. avait un boulevard devant lui, il s'est pas arrêté au stop. Il a fait une tête à queue. Mais moi j'aime bien François Hollande. Les gens sont durs avec Guimauve le Conquérant. Non, mais c'est vrai que Hollande porte bien son nom quand on y pense. Hein. Hollande c'est le pays des moulins, il fait du vent. Hollande c'est le pays de la bicyclette, il pédale. Hollande c'est le pays du shit, il nous en fume. En tout cas, moi je suis vraiment heureuse de la naissance du bébé présidentiel. Oh, ça devait arriver depuis le temps qu'il gonfle tout le monde. Bonsoir. Oui, non, j'ai beaucoup aimé votre travail. Hein. Oh, une précision dans les gestes, au niveau des collages, du choix des couleurs. Non, franchement, rien à redire. Vraiment, c'est un résultat très original. Bravo. Hein. C'était qui? Le chirurgien des Bogdanov. Oh non, mais les gens sont hypocrites à Paris. Moi, c'est effrayant. Attends, moi, ces gens qui te sourient par devant et t'assassinent par derrière, moi, je peux plus. Oh. Non, mais c'est pour ça que moi, je dis toujours du bien de moi. Hein. Attends, dire du mal de soi aux autres, c'est idiot, hein, c'est leur donner des idées qu'ils n'auraient pas eu tout seuls. Hein. Non mais c'est quoi cette tache rouge là-bas? Non mais c'est pas une Roumanoff? Oh, si elle pouvait changer de couleur, ça nous reposerait. Ouais. Et c'est qui le petit brun ébouriffé à côté d'Anne Roumanoff avec une voix de castrat? Ah bah c'est Willy, un jeune humoriste, très beau, très doué. Enfin, c'est ce qu'il pense. Dis-moi, tu sais avec qui Hélène Roumanoff justement? Non. François Bayrou. Il a raison, on a toujours besoin d'une gourde pour traverser le désert. Bonsoir.